À 50 km de Cologne, en République fédérale allemande, par un bel après-midi d'été, ils sont venus, ils sont tous là, pour participer au Oliver Water Show. Comprenez, un spectacle de plongeon acrobatique, dit plongeon de super haut vol. Ce genre d'exhibition n'est pas connu en France, alors qu'aux États-Unis, en Italie, en Suisse ou en Allemagne, le public en est très friand. C'est un Suisse, Olivier Favre, plongeur de son état et détenteur du record du monde avec un plongeon de 54 mètres, qui a créé ce spectacle. Ce jour-là, prêt à concourir, un Canadien, des Suisses, plusieurs Français tout de même, et un Australien, Ken Grove, à l'évidence le plus doué de tous. On commence avec des figures, tout ce qu'il y a de classique. Quoique déjà, on s'amuse à leur faire peur. Et puis les plongeurs se font bouffons et la plongée devient délire. Va avoir tout le temps de se serrer. L'Australien Ken Grove, finaliste aux Jeux Olympiques de Moscou et de Los Angeles, va effectuer un saut de 31 mètres dans une piscine où il n'y a que 4 mètres d'eau. Ken Grove est le seul athlète au monde à effectuer ce plongeon.
Triple saut périlleux avec double vrille. Le secret de sa réussite, un don certain, disons-le, 30 minutes de stretching par jour, un entraînement régulier et une alimentation végétarienne. J'allais oublier, Ken Groff sait aussi nager.